Accès autorisé. Écartez-vous du terminal! Vite! Aidez-moi! Ah, merde! Pritchard, vous êtes là? Où voulez-vous que je sois? Passez-moi ça, Riff. Vite. Adam, c'est David. Vous avez le Typhoon? Oui. Mais vous aviez raison. Il se passe quelque chose de louche. J'ai sur les bras un puriste mort, avec de superbes implants cérébraux. Ne le touchez pas. Il nous faut un expert pour récupérer son relais neural. Il est peut-être piégé. Entendu. Qu'est-ce que je fais pour Sanders? Les gars du SWAT insistent pour que je les laisse faire. Trouvez-le avant eux. Et réglez le problème.
Je crois que ça venait de par ici. J'entends des choses, je vois des choses. Faut que je me charge moins. C'était Elisa Kassan, en direct pour Picus. Oh, sérieux, vous avez pas entendu? Je crois que ça venait de par ici. Oh merde, y a rien ici. Tu m'entends, je te conseille de sortir.
trucs qui me tiennent à cœur. De ces chercheurs. La commission étant reportée sine die, beaucoup se demandent si ces attaques n'ont pas une autre raison. Itzarif aurait-il quelque chose à cacher? C'était Elisa Kassan, en direct pour Picus. Nous revenons sur l'événement du jour à Détroit. La police ne laisse rien filtrer sur la situation, mais selon certaines sources, un groupe de militants pro-humanité aurait attaqué une usine de Sarif Industries. Des employés seraient retenus en otage et toute la ville retient son souffle. Il s'agit de la deuxième attaque contre cette entreprise spécialisée dans les biotechnologies. Prononcez une police d'État à vos trousses avant que vous n'ayez eu le temps de dire « ne reposez-le ». Accès autorisé. Accès autorisé. Accès autorisé.